Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Footnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Footnote. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, alias Lucas Sunshine, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Actu Télé. Aujourd'hui, on va parler concernant le grand retour d'un dessin animé emblématique sur TFou, un dessin animé culte des années 2000. Je parle de Totally Spies. Et oui, c'est le grand retour de Totally Spies, ce célèbre dessin animé avec les héroïnes Sam, Alex et Clover. Voilà, c'est le retour de ce dessin animé aujourd'hui, ça a été diffusé sur Gulli aujourd'hui. Voilà, pour une 7ème saison, le grand retour après presque 11 ans d'après ce que j'ai vu les articles, 11 ans depuis la fin de la dernière saison. Voilà, c'est le grand retour de ce dessin animé, franchement. J'ai envie de dire, ce dessin animé a été vraiment emblématique, j'ai adoré regarder les épisodes, ça a été vraiment... J'étais un fan. Mais voilà, donc c'est le grand retour des Totally Spies pour une nouvelle saison. Voilà, plus de missions, plus de méchants à combattre. Franchement, ce dessin animé, ça a marqué des générations, ça a marqué ma vie. Ça a été vraiment un dessin animé, j'ai envie de dire, ça a été emblématique. Voilà, vous connaissez Sam, Alex et Clover, donc les héroïnes emblématiques du dessin animé. Et aussi Jerry, le fameux chef voilà, du dessin animé. Ça a été vraiment un véritable bonheur, voilà. Franchement, c'est un dessin animé qui dure longtemps, hein. C'est comme Bob l'éponge, Rue Sésame, les Simpsons. Bah, comme c'est un dessin animé qui fait beaucoup de succès, bah forcément que ça va être renouvelé et que ça continue encore aujourd'hui. Hein. Mais voilà, ça a été vraiment... Je suis quand même content que le dessin animé est de retour. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode, c'est vrai. Mais ça a été un énorme bonheur de regarder ce dessin animé culte de notre enfance. Ça a été incroyable avec les héroïnes qui combattent les méchants qui sont en mission. Parce que vous savez, ils sont au lycée. Ça a été vraiment un véritable bonheur de regarder ce dessin animé. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Je suis vraiment surpris que le dessin animé est toujours diffusé aujourd'hui. Hein. C'est comme Bob l'éponge, Rue Sésame et Simpson. Forcément que ça dure encore longtemps. Hein. En tout cas, bah voilà. Donc, j'ai regardé le premier épisode de cette nouvelle saison. Déjà, le nouveau générique qui a l'air quand même stylé. Ça a complètement changé. Mais voilà, c'est le grand retour de Totally Spies aujourd'hui pour des nouveaux épisodes, une nouvelle saison. En tout cas, donc j'ai regardé le premier épisode, le nouveau design des Totally Spies. Bon, c'est un peu bizarre, mais il faudra s'habituer, hein, c'est normal. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même pas mal. J'ai envie de dire que cette nouvelle saison, ce premier épisode, elle a été pas mal, une masterclass. Mais ah, donc du coup, si vous avez regardé la nouvelle saison de Totally Spies, si vous avez regardé le premier épisode pour le retour du dessin animé, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà, tellement de souvenirs, voilà, c'est des missions, voilà. Donc on a la plupart du temps, bah Alex, Sam et Clover, ils sont au lycée, ils s'amusent à l'école et tout. Et après, bah, quand il y a du mal qui arrive, bah voilà, c'est Jerry qui les appelle et qui les envoie en mission d'espions et de combat. C'est vraiment un dessin animé que j'ai apprécié. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est vraiment un dessin animé des années 2000 qui est vraiment emblématique sur TFou. Mais en tout cas, si vous avez aussi aimé les Totally Spies comme moi, je suis un fan, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Franchement, honnêtement, ce dessin animé, il a été incroyable, une masterclass. Et si vous avez jamais regardé les Totally Spies, je vous conseille de le faire, c'est vraiment culte. Mais en tout cas, bah, je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison, pour les nouvelles missions, pour nos héroïnes Sam, Alex et Clover. Mais ça va être vraiment emblématique. Et aussi, une mauvaise nouvelle que vous avez peut-être entendu parler. Vous connaissez Jerry, le chef de Whoop, donc celui du dessin animé. Enfin voilà, Jerry du dessin animé. D'après ce que j'ai vu des articles, Jerry serait parti à la retraite et que ce serait sa fille apparemment. D'après ce que je vais vous montrer l'article en montage. Je trouve ça vraiment dommage. Franchement, Jerry, c'est aussi un personnage emblématique du dessin animé, c'est comme le départ de Sacha de Pokémon. Franchement, ça m'a un peu attristé, mais après voilà, peut-être que ce n'est pas officiel, mais apparemment il y aurait un nouveau roman illustré qui sort le 29 mai, donc apparemment d'après ce que j'ai lu.
Mais voilà, apparemment, ce serait la fin de Jerry, du dessin animé. Si c'est vraiment le cas, ce serait attristant. Bon, c'est vrai qu'il a déjà plusieurs fois parti en retraite, Jerry, mais ça, c'est dans certains épisodes des dernières saisons, là. Mais voilà, j'espère vraiment pas. Hein. C'est vrai que Jerry, qui n'est plus dans les Totally Spies, ça va être bizarre. Après, ce serait sa fille, apparemment, ou des trucs comme ça, mais... J'espère pas, hein. Ce serait vraiment attristant, c'est comme le départ de Sacha de Pokémon, etc. Mais voilà, après j'espère pas. C'est vrai que c'est un personnage culte aussi du dessin animé. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Ce dessin animé incroyable, en tout cas ce premier épisode il a été super, je l'ai regardé. Et voilà, c'était tout simplement bien et j'espère que cette nouvelle saison sera bien, que ça va être nickel et tout et que ça continuera encore des années, hein, comme les Simpsons et tout. Mais voilà, c'était ce dessin animé, il a été génial. C'est vraiment un dessin animé culte des années 2000 et en tout cas, voilà, c'était vraiment incroyable, c'était nickel. Et en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires à propos de ce dessin animé. Si vous avez aimé ce dessin animé à votre enfance, en tout cas, c'était incroyable. En tout cas, voilà, ce sera tous les dimanches, à mon avis, sur Gulli, les nouveaux épisodes, je crois. Enfin, voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les nouveaux épisodes, les nouvelles aventures. Ça va être bien, même si c'est plus bon. C'est vrai, on l'avoue, c'était mieux à l'époque le dessin animé et les autres dessins animés parce que les nouveaux épisodes comme les Simpsons ou Bob l'éponge sont pas terribles que les anciens. C'est vrai que les dessins animés classiques resteront les meilleurs. Bon voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Voilà, c'est pour parler du grand retour de Totally Spies qui a fait son grand retour aujourd'hui sur Gulli. En tout cas, c'est une fierté, c'est vraiment un dessin animé que j'apprécie. En tout cas, on va suivre les nouvelles aventures de Sam, Alex et Clover avec les voix originales françaises qui font leur grand retour aussi. C'est vraiment incroyable, mais on verra ça. Bon voilà, du coup les amis, n'hésitez pas à donner votre avis. Que pensez-vous du grand retour du dessin animé culte Totally Spies? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi je trouve ça nickel, je trouve ça super. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo Actu Télé. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. En tout cas, voilà, c'est le retour de Totally Spies. En tout cas, ça va être génial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Actu Télé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer, alias Lucas Sunshine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, comme d'habitude, vous savez quoi faire pour suivre les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur les autres comptes, puisque c'est moi Lucas Sunshine. Mais voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao. Yeah.